Si toi aussi tu trouves que la bêta d'Infinite Warfare pue la merde, alors abonne-toi à ma chaîne et active les notifications pour recevoir des alertes pour toutes mes prochaines vidéos. Yo les potos, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part moi ça va super. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour un World First nucléaire au fusil à pompe. Le premier du monde, le premier gameplay au monde au fusil à pompe avec une Atomizer Strike. Parce qu'il y en a ils disent, oui alors j'ai la nucléaire équivalente, oui alors voilà j'ai fait une série de 25 kills, on appelle ça nucléaire. Moi j'appelle ça brutal hein, dans le milieu. Donc voilà les gars, tous ceux qui sont visés, voilà prenez-y au second degré. Mais ce que je veux dire c'est que la vraie performance les gars c'est 30 kills, tu vois, c'est 30 kills ou l'Atomizer Strike, mais l'Atomizer Strike a 25 kills, hein, pas équivalente. Alors moi je nique des mères, je fais des triples équivalents, tu vois, voilà, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc je rigole les potes, du coup tout ça pour dire que, voilà, un beau gameplay. Donc si vous voulez vraiment, si vous pensez que vraiment ce gameplay en vaut la peine, tu vois, que Ghost il ressort de nulle part et il ressort du passé, tu vois, pour atterrir dans le présent, et ben faites le moi savoir en commentaire. En tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de vous ressortir des beaux gameplays comme celui-là. Franchement ça faisait assez longtemps, à part bon bah voilà BO3 c'était pas forcément l'année que j'ai préféré au niveau gameplay, parce que voilà, enfin au début c'était cool, tu vois, j'étais actif et tout. Après comme vous le savez, bon bah après Noël, tu vois, début 2016, bon j'ai eu ma copine et tout, tu vois, j'étais pas forcément actif comme au début, donc forcément j'ai pas sorti énormément de gameplay. Et là le Ghost il a disparu dans le passé, tu vois, vous allez tous vous m'avez tous dit ouais Ghost il ressort de l'ombre etc, là j'ai vu sur Twitter. Enfin, je sais plus ce que vous avez dit exactement, mais oh les potes, moi en fait, si vous voulez, mon niveau il est là, hein. Vous avez cru que mon niveau il est parti où, tu vois. Non, mais je reste Ghost, je reste celui que vous connaissez avant, malgré les vues et bah du coup, bah ma chaîne qui augmente pas forcément en ce moment. Et ben voilà, je suis toujours là, je suis toujours là pour péter des gameplays, tu vois, pour sortir du gros. Et bah aujourd'hui, bah voilà, le World First nucléaire au pompe, franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous la sortir. En plus le pire c'est que voilà, il a eu plusieurs trucs, vous allez voir, vous allez rigoler. Déjà de 1, le gameplay, tu vois, le pompe, bah, je l'ai débloqué, tu vois, juste à 20 minutes de la fin de la bêta, parce que c'était bah voilà hier, j'ai débloqué l'arme nucléaire avec bah, mes clés là, mes trucs de mécanicien, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il faut avoir des métaux et tout, tu vois, tu construis ton arme en gros. Et puis du coup bah, j'ai débloqué le pompe, je me suis dit allez vas-y je l'attends, tu vois. Parce que tu sais, tu peux te dire, bon bah je vais attendre, on sait jamais, ça se trouve ils vont sortir de nouvelles armes, il va falloir acheter avec les clés et tout, elles seront meilleures que le pont, tu vois. Et moi je me suis lancé un défi, tu vois, je l'ai même dit dans la rage, j'ai plus que 20 minutes pour tenter le gameplay au pompe. Et qu'est-ce que j'ai fait les potes, tu vois. C'est arrivé ma dernière game de la bêta, tu vois. C'était, je sais plus quelle heure c'était, mais gros on avait dépassé l'heure, tu vois, c'était, normalement elle finissait à 19h. Là c'était 19h01 ou j'en sais rien, dernière game les potes, dernière game possible pour la rentrée. J'ai mis un message dans la rage, où je sais plus, j'étais avec Trax et tout. J'ai dit franchement, Trax, tu vois, ça là c'est ma game, tu vois. Trax d'ailleurs, dans les potes, c'est un gars, tu vois, c'est un bon les gars. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ce sera dans la description. Au passage, il a 6100 abonnés, donc n'hésitez pas à lui faire monter à 6300 abonnés. Si on atteint les 6300 abonnés, je refais une vidéo demain, ça c'est clair et net. Les potes, tu vois, juste pour vous, parce que vous l'avez mérité, je vous refais une vidéo demain. Une vidéo, tu vois, je sais pas, sympathique, que ma classe ou j'en sais rien, enfin une vidéo sur les classes ou une vidéo sur ce que je pense du jeu ou j'en sais rien, enfin, vous au pire vous pouvez mettre des sujets dans les commentaires les potes, un moyen que je regarde ça et puis que je vous pique vos idées, tu vois. Allez les potes, qu'est-ce que je disais, du coup ce que je veux dire, tu vois, c'était un peu épique parce que du coup c'était la fin de la bêta, ça allait se fermer etc. D'ailleurs on n'était même pas sûr que pendant la game on allait se faire exclure parce que les serveurs et fermés en même temps, tu vois, les serveurs allaient fermer et que du coup bah ça allait nous expulser du jeu. Et du coup bah on n'était même pas sûr de finir la game, tu vois. D'ailleurs vous pouvez voir un moment dans la game, Trax il a été exclu pour je sais pas ce que ça a fait, c'est expiration du délai je crois il a eu. Et en gros si tu veux bah pour lui bah le serveur il s'est fermé en plein cours du jeu, tu vois, sa dernière game il a même pas pu la finir.
Et puis du coup, bah voilà, tu vois, moi j'ai un peu de la chance parce que du coup j'ai pu finir de jouer et puis surtout sortir la nucléaire. Et du coup, bah voilà, on a bien rigolé. Et surtout, les potes, vous allez voir que c'était chaud aussi parce que niveau munitions, comme je suis le seul à avoir cette arme là, bah en fait, je peux pas ramasser des balles par terre sur les ennemis qui avaient la même arme. Du coup, bah c'est un petit peu chaud quoi, niveau balles. Et en plus, on était en G2, les potes. G2, tu vois. Hein, pour ceux qui disent, ouais, Ghost, il fait du coup 2-6, voilà, il a changé, il est dans la rage, il fait du G6, mais bref, voilà. Bon, les potes, G2, franchement, magnifique gameplay. Là, celui qui va me dire, ouais, ton gameplay, c'est de la merde, moi, je fais des nucléaires en reverse boost, enfin, bref, allez, on arrête un peu de déconner. Enfin, bref, en tout cas, les potes, voilà, du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur mon arme, j'avais la possibilité de mettre un accessoire qui réimprimait les balles à chaque fois que bah, qu'il en manquait dans le chargeur, mais ça en réimprimait pas genre dans le chargeur total, mais juste dans le chargeur tu sais, celui que tu tires tes balles, enfin tu sais, genre le chargeur qui est quand tu tires tes balles, ça le vide, tu vois, parce que t'as le chargeur la capacité totale et t'as la capacité quand tu tires, tu vois, quand tes balles se vident. Bref, tu m'as compris. Du coup, parce que à chaque fois que bah je perdais mes balles, et ben en général je rechargeais pas forcément, ça dépendait combien il m'en restait, et surtout genre s'il avait des ennemis près de moi ou pas. Et du coup, et ben du coup les potes, j'avais aussi d'autres accessoires, j'avais le silencieux, j'avais parce que ah oui, le silencieux les potes, c'est indispensable. Hein. Avec tous les triards, tu mets genre juste un truc, tu tires juste une balle sans silencieux, t'as 4 mecs qui te sautent dessus et t'es fini, tu vois. Donc faire une série sans silencieux, c'est chaud. Mais c'est faisable, voilà. Ça c'est aussi un truc qui m'énerve, tu vois, sur le jeu, tu vois. Quand tu tires une balle et puis, enfin, tu tues un mec, t'en as 4 qui te sautent dessus, ça c'est un truc qui m'énerve. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi ça m'énerve. Sachant en plus que la vie, une fois que qu'on t'a baissé ta vie, tu vois, qu'on t'a tiré dessus, que t'as gagné un duel et qu'il te reste ça de vie, tu vois, et ben, ta vie, elle se recharge au bout de 10 secondes. Le pire, c'est que t'as un spécialiste, que si un ennemi porte un certain spécialiste, ce spécialiste, il permet de t'empêcher de régénérer ta vie pendant 5 secondes de plus. Donc t'imagines, déjà t'as le temps que tu régènes ta vie, tu vois, qui est de 5 secondes, plus le temps que tu régènes ta vie avec le spécialiste. Donc tu calcules, ça fait 10 secondes sans limite sans régénérer. Donc quand t'as genre plusieurs duels à gérer, mais les poteaux, mais c'est de la merde, tu vois, c'est vraiment la grosse merde. Du coup, bah voilà, donc après, je ferai une vidéo sûrement sur mes critiques sur le jeu, les 10 choses qu'ils auraient pas dû faire. Enfin voilà, rap. Les gens, tu as direct, ils ont piqué mon idée de vidéo, etc. Enfin, je sais même pas pourquoi je l'ai dit là, les potes. Mais voilà, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Tu vois, hein? Pense à moi, pote. Dis-moi si ça te plaît ou pas. Parce que comme ça, je suis genre des vidéos, tu vois, je sais que tu vas cliquer, que ça va t'intéresser, quoi. Parce que tu sais, genre un YouTube. Oui, moi je fais des vidéos. Sinon, personne ne clique dessus, je fais pas de vues. Enfin voilà, déjà, je fais pas de vues normales. En plus, si je fais des vidéos pour rien, tu vois. Enfin voilà, quel est l'intérêt du youtubeur? Faire des vidéos pour personne, c'est bien. Bon, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir que tu lâches un gros like. Franchement, ça me ferait vraiment trop plaisir, les potes. Vraiment, si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche un like, les potes. Et aussi, un deuxième truc, du coup, je le redis, mais voilà, abonne-toi à Trax. 6300 abonnés, je refais une vidéo demain, c'est clair et net. Allez, les potes, c'était Rage Gosse, peace. Vas-y, je peux bien. Ah bah voilà, ah, il a mis la nucléaire, les gars. Aïe aïe aïe. Hey, y'a le ouf, ah, je les triarde comme je sais pas quoi, celle-là. C'est dégueulasse la lutte par contre. Profitez.